Jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ah, faut bien faire. Écoute, c'est une chanson, on comprend de quoi ça parle. C'est tout un cheminement, c'est vraiment une autre vie. J'espère. Ah oui. Tu vas comprendre. Oui, hein. Que le message est passé. Le message est passé. Ouais. C'est important pour toi de passer ce message-là. Mais oui, c'est pour ça que j'écris des chansons. Oui. Parce qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Et puis c'est tellement plus facile de les chanter. Ça oui. passe mieux. Et c'est plus précis parce qu'on doit peser chaque mot et on doit. Ouais, c'est vrai. Et à quel moment on reçoit, nous, le message? C'est-à-dire que, bon, c'est une maladie, en fait, l'alcoolisme. Et on est malade à vie puisqu'il n'y a pas de médicaments. Et puis, on va à des réunions chez les AA, puis à des cures. Et bon, actuellement, tout va bien. Tout va pour le mieux, mais... Mais comme on dit, un jour à la fois. Fait. Voilà, un jour à la fois, exactement. Jour à la fois. Pour aujourd'hui, ça va. Quand tu passes par là, ah ben oui, on a chacun nos substances. Tous passer par là. On va tous passer par là. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va bien. Oui, toi. Et il y a aussi eu un accident, pas trop heureux au niveau du cœur, mais là, ça aussi, c'est bien placé. Ça veut dire que j'ai encore du cœur? Ça, oui. ça veut dire voilà. Ça. Non, mais bon, tu sais, tous les 50 ans, une voiture tous les 50 000 km, il faut la réviser. Il faut la réviser. Il faut changer l'huile. Il faut changer la batterie. mais la bonne nouvelle, c'est que c'est ici, avec ces spectacles de Noël, oui. Qui sont... je veux dire, c'est vendu, tout le monde est là, le monde est content dans les églises. Oui. Vous allez terminer ça ici à la Grande Basilique, c'est ça? Oui, je pense, je ne sais pas exactement où je vais. Oui, la Basilique de Notre-Dame, je pense. Oui, à Montréal. Oui. Mais en tout cas, bon, c'est la première fois que j'ai fait ça. Et j'ai la chance d'être tombé sur une équipe extraordinaire. Alors, c'est des chanteurs que je ne connaissais pas du tout. Qui est-ce que vous avez rencontré, là, que vous ne connaissiez pas? Ben, Jean-François Beau. La Marie-Ève Janvier. La Marie-Ève Janvier. Judith Bérard. Oui. Moi, les noms, c'est Annie... Annie Villeneuve. Gino. Ah oui. Est-ce que la rencontre s'est faite lors des premières répétitions ou sur oui, lors des répétitions. Et je voulais dire qu'ils ont un talent extraordinaire. Moi, je chante, je fais des chansons que j'ai écrites, c'est plus facile. Mais eux, ils font vraiment. Ils se mettent à 5-6 pour chanter. Ils font des reprises des Ave Maria. Un petit medley, c'est exceptionnel. Mais vraiment, c'est magnifique. Allez voir. Ah oui. Il y a Marie-Denis Spetti. Je parle pas de moi. Aussi. Oui. Exceptionnel aussi. Oh, non, mais ça doit être dans des églises comme ça, c'est grand. Oui, là, bien. Est-ce que... Et il y a une petite aussi qui est formidable. Oh là. Elle chante avec moi. En plus, on fait un duo. Dis-moi Papa Noël. Ah oui. Là. En tout cas, on va celle qu'on aime tant. Éléonore. Parce qu'ici, quand on connaît pas les noms, on dit celle qu'on aime tant. Éléonore, celle qu'on aime. Éléonore. Mais il y a ce beau disque qui vraiment est une autre étape, Claude Barzotti, qui se suit au niveau de ses concepts. On parle de sa fille qui se marie, une autre vie, je ne t'aime plus, l'amitié. Enfin, il y a plein de... On voit vraiment le cheminement de l'auteur-compositeur aussi. Oui, c'est-à-dire que, bon, moi, j'approche les 3 fois 20 ans, donc on voit la vie des fois. C'est dur vieillir. Oh non, pas du tout. Non. Si on vieillit, ça veut dire qu'on a vécu. Oui, bon, ça c'est vrai. C'est voilà. Ce qu'on a vécu. Il y a aussi une grande amitié avec Ginette Renaud. Oui, qui donne d'ailleurs une chanson magnifique. Est-ce qu'on s'aime encore? Tu joues avec Ginette. C'est une belle chanson. J'aimerais ça qu'on écoute un petit peu. Avec plaisir. Peu. Oui. Est-ce qu'on s'aime encore? Est-ce que c'est foutu? Cet amour si fort.
1985, voilà, pour la première fois, et une émission de Michel Jasmin. Et puis bon, je ne connaissais personne parmi les chanteurs, donc je discutais, et à un certain moment, j'entends quelqu'un chanter, je me suis retourné, j'ai des frissons, et je me suis dit, je vais errer pour cette femme, vraiment, ça m'arrive très très fort, ça m'arrive bien. Ouais, ouais. Et là, c'était fort, là, c'était fort. Elle déclenche la bouche, inimaginable. Oh oui, absolument. Et non seulement écrire pour elle, mais chanter avec elle, ce duo, ça devait être extrêmement mal. C'est formidable. Elle est venue me voir en spectacle en plus, j'ai mangé avec elle. Superbe. Ben écoute, bravo, bravo, à tout à l'heure. On se revoit tout à l'heure. Au retour, Caroline Dumas, et les plaisirs partagés.